j'ai toujours été là où j'étais heureuse d'être. C'est une évasion fantastique, je crois, qui est difficile d'exprimer. Je cherchais un sens aux choses. Je dessinais dans mes marges de cahier. J'avais besoin de m'évader, de sortir du monde. Je ne crois pas que je cherche à définir un style. Je me suis évadée très vite du figuratif pur. J'ai appliqué un sens de l'évasion et de me dire, mais c'est tellement simple. C'est tellement simple, pourquoi aller décortiquer un visage pendant toute une journée ou des mains? Pourquoi? On peut les sentir autrement. Bien sûr qu'en école, on vous apprend le dessin, on vous apprend à recopier ce que vous voyez, à faire le plus près possible de la réalité. Et je me suis rendu compte que quand j'étais dans la nature, c'était pas possible. C'était pas possible. La nature, toutes les secondes, elle change. Je suis fasciné par par le travail de la nature, les couleurs des feuilles, donc je les utilise. J'essaye de les fixer. J'ai pas eu besoin de mes propres matières. C'est la nature qui m'a offert. Faut dire que je suis allé au devant, mais elle m'a offert d'emblée quelque chose pour trouver autre chose. Puis j'ai pas, ce serait pas fini. Là, je pourrais en avoir pour des années à fouiller ce phénomène de nature. En fonction de ce que j'avais envie d'exprimer, alors j'ai fait des séries. J'étais fascinée par la danse, donc j'ai fait des séries sur la danse. La danse rythmique m'a énormément apporté, parce que là, j'ai retrouvé qu'il y avait une idée de mouvement que finalement j'ai constamment exprimé dans la peinture depuis toujours. Les gens voient toujours quelque chose dans mon travail et que je n'ai pas vu, moi. Je n'ai pas voulu dire. Je ne veux pas réfléchir en peinture. Pour ça, je prends un machin blanc, je ne sais pas ce que je vais dire dessus. Jamais, jamais j'ai eu une idée avant. Elle est venue avec les matières, elle est venue avec le dessin. Maintenant, j'aurais tendance à me servir de photos prises et qui me parlent en disant, je ne vais pas faire la même chose que la photo. Mais elle me donne des idées d'ouverture, de renouveau. J'ai été très influencée par De Staël, parce que le travail à la spatule, ça faisait des balayages très, très en bande. Spatule et matière. Quand vous préparez des matières, on ne cherche pas à aller au petit coup par petit coup. Poum ! Elle vous aide à exploser. Vous prenez des pigments, vous les broyez et vous les utilisez. Et peu de couleurs. J'ai commencé à travailler qu'avec ça. Et vous pouvez voir maintenant, encore 20 ans, 30 ans après, il n'y a pas de tube chez moi. Les couleurs, elles viendront sur le papier, sur la toile et avec des superpositions. Et c'est ça, peindre. J'ai encore envie d'autre chose. Je n'arrête pas de me dire oh, comment est-ce que je pourrais arriver à dire ça. Je suis toujours, toujours, toujours à la recherche, toujours. Et pourvu que ça dure, ça continue tout le temps, tout le temps.